Bonjour, chères belles âmes en éveil, éveillé ou très éveillé. C'est avec bonheur que je vous retrouve en ce mardi 28 décembre pour vous donner la petite pensée du jour, le bonheur un jour à la fois. C'est tout de suite après le générique. Un moment pour changer une vie. Il y a des personnes qui marquent nos vies, même si cela ne dure qu'un moment. Et nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n'a pas d'importance, mais certains moments en ont pour toujours. En faisant la rétrospective de ma vie, je me suis rendu compte que certaines décisions, certaines rencontres et certains événements avaient été tout à fait déterminants dans mon évolution personnelle. Ces moments cruciaux sont venus transformer profondément le cours de ma vie. Quelques moments pour changer toute une vie. Quelques instants pour tout transformer à jamais. Ces moments si précieux et si rares se présentent ou sont créés par nous et se situent au carrefour de notre vie. Aujourd'hui ou demain, un de ces merveilleux moments pourrait se présenter dans ma vie. Et je me trouverai face à une décision importante qui marquera mon existence jusqu'à la fin de mes jours. Je reste ouvert, donc, à ce grand moment parmi tous les moments que je passerai ici, avec vous. Voilà pour cette petite pensée du jour. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi 28 décembre, pour le tirage au sort des deux cadeaux. Le bracelet en hématite et le pendentif avec la cornaline. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à demain, mercredi 29 décembre, pour se retrouver encore avec bonheur. Gros bisous. Bonjour, chères belles âmes, en éveil, éveillé ou très éveillé, en ce mardi 28. Bonjour, chères belles âmes, en éveil, éveillé ou très éveillé. Non. Chaque fois que je fais une vidéo, Mélissa la voit. Qui marquerait mon existence. Maman, il faut que là. Allez, Zou, c'est bon.